Aïe, 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 maintenant, Michel répond, mes frères et sœurs, amis, ou elle saisit tant de ça mettre là dit. En tout cas, après, on finit pour vous, libaton, maintenant, Michel, fâché Koukong, li estomaké, et monsieur a même mot et pied menacé médias, ça, yo, docteur qui a baillé information à que yon policier ta maspinel comme ça. Moi, elle vient avec détail, bien que m'dewa bilan nous fait fête, maintenant, des têtes, mais pour que ça nous compte comme ça, yo maspiné met André Michel. Ça passe, ça fait nous content comme ça. En tout cas, mesdames, messieurs, Boakale, un jeune garçon qui quitte bon la Kali, débarqué dans l'autre zone. Malheureusement, monsieur arrivé, li a pas de détail, personne moun baka comprendre. Information ta fait quoi, monsieur ta fait partie base à Grand Griffay. C'est yon nanèd kap, c'est ouais, comment que l'ta sauvé. Et mes frères et sœurs amis, moun yo mette la patte sous monsieur dans zone à celui. Donc, je vais quitter la vidéo. Pardonnez-moi pour l'image là, donc qui est vraiment difficile pour garder. Mesdames, mademoiselles et messieurs, tenez bien, ce qui a passé dans le pays d'Haïti à l'heure actuelle, c'est des bagailles qui sont très difficiles. Je ne vais pas retourner sur ça. Je vais demander avec Haïtien, tant pris s'il vous plaît, tant pris Haïtien, fais-nous grâce dans ce qui a eu à ce phénomène gang dans le pays. Il faut que nous fassions un pile attention. Mais si vous n'avez pas décidé de chômer, et bien, mes frères et sœurs et amis, il a appelé à fâcher Koukong, puisque en pile moun balto, puisque li mette nèg nan Mariani et touye yon jeune petit garçon, donc qui te vin pour ton commission pour madame a Saint-Pierre, qui se secrétaire général à CTA. Donc, bagay sa yo permet que tout moun sou toi là a criminé chef bandit, il a appelé, et bien, monsieur a fâché, li dérangé, m'bral confie ou quelques informations confidentielles. Donc, de ça qui a passé actuellement dans le pays. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. FS News, rentrez la caillou. Qu'on plaisir nous déjà, c'est à chercher information, quel que soit côté lié, pour nous porter des détails pour vous. Monsieur, dame, la société, M. André Michel, après que nous t'ai fini partager information sur l'état santé, monsieur, donc qui t'est arrivé joindre nous, eh bien, divers moun tapé se questionner, est-ce que c'est vérité? Pas oublier, moi-même, je t'ai baillé information, hein. Avec toute réserve. Mais jusqu'à présent, moins campé derrière que M. André Michel prend bois à l'île, prend bâton même. Plusieurs raisons. Premièrement, M. André Michel, il y a un journaliste dans le pays d'Haïti qui écrit sur compte Twitter. Il a cité le journaliste Joël Apoudou qui pratiquement qui fait un tweet. Il dit que dans le tweet là, c'est évidemment faux, Joël. Heureusement, je suis correct physiquement. Pas de attaque physique sous moi. Tout policier, ses amis. C'est ça, M. André Michel, t'es metté dans tes 10 journalistes là. Donc, lui-même, personnellement, lui informé ça. Monsieur qui travaille dans Radio Télévision Vision Scoop. Mais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tenez bien. M. André Michel, t'a expliqué à ce journaliste là, lui, pas de gain, en yé à ouais, à difficulté ça. Pendant ce temps, nous-mêmes, l'en a cherché dans l'information, nous, dans l'entourage de M. André Michel, M. André Michel, t'es allé où est médecin hier, et selon, encore une fois, ça que nous gagnons comme source, la source continue pour le dire que M. André Michel la tête li cassé. Donc, la seule façon, moi, penser que n'a pas capable changer ça, c'est au fait, le M. André Michel a décidé, voyons une photo, soit bah, même journaliste, là, ou bien que nous-mêmes nous joignons une photo ou une vidéo. M. André Michel, mesdames, mademoiselles et messieurs. En tout cas, et gagné, attendez, non, élément ça, il y a question de monsieur, et puis, bon, lui-même qui, au fait, a déplacé l'aller dans une zone qui n'est pas zone ni pendant ce temps, l'a identifié comme n'est qui n'a pas de grand griffe. Ben, mal qui tout gardé pendant un petit temps, mais avant, d'aller me partager avec vous, ça qui a passé en bas. Et dans Gravine, donc il y a une grosse division dans Gravine, puisque monsieur Tilapli est un groupe néglap dirigé, Bougoy est un groupe néglap dirigé, mais Bougoy, beaucoup de pal, fâché en pile parce que Tilapli t'a tué jeune petit garçon comme ça qui sont sages de mission, qui va gagner à ouais à ka, problème qui te gagne. Hein? Donc monsieur, au fait, l'irrivé mette petit garçon ça KO. De montrer nos vidéos, hein? M'a quitté nous garder vidéo à tout encore, et tout de suite après, c'est vidéo, mesdames, mademoiselles et messieurs, et
élément ça yo bay bois calé donc ça c'est triste. Ministre Pierre, ministre pour garder moi là. Les messages mieux vous m'aller grand dossier faut m'd'aller régler. Mais mes côtés mieux nèg yo monsieur yo kembe moi par rapport que pas respecter yo. Respectez nèg yo nos ministres. Pour nèg yo pas faire moi respectez ou non. Ou konn je pour respecter nèg yo, respectez yo. Respectez yo. Bon, position secteur démocratique et populaire SDP très clair dans contexte politique ça. Ariel Henry avec gouvernement gain responsabilité constitutionnelle pour faire élection pour peuple a choisi qui est le vrai dirigeant et par la suite eux-mêmes pour remettre pouvoir bay moun peuple a choisi. C'est la mission du Premier ministre Ariel Henry, la mission du Conseil des ministres, et c'est ce qui est fondamental, c'est ce qui est essentiel. Et ça fait nous-mêmes nous dit, c'est très clair, Ariel Henry, chef du gouvernement, n'a pas besoin d'un nouvel accord politique pour le rester sous pouvoir après 7 février 2024. Premier ministre Ariel Henry a besoin d'une entente politique pour faire élection le plus vite possible, pour passer au pouvoir, bah, le peuple a choisi. C'est ce qui est logique et c'est ce qui est conforme à la Constitution. Bien, mon qui dit pour le ministre là, il n'y a pas arrêté sous pouvoir parce que l'élection n'est pas faite en 2023. Il a violé l'accord 21 décembre 2022, et, etc. Il n'y a pas arrêté, il faut que l'élection soit faite. Mais en un sérieux, tout le monde qui est honnête connaît, pas gain élection qui était possible en Haïti ni en 2022 ni en 2023. Son pays jusqu'à présent qui en bas contrôle gang yo. Si yo te fait une élection en 2022, en 2023, c'est une élection yo t'a fait pour gang yo. C'est gang yo qui t'a mettre député, t'a mettre sénateur, c'est gang yo t'a président. Non pas ta capable la pays en main gang. Non pas ta capable font élection pour nous bailler gang yo pouvoir. Heureusement, je vous dis, le Conseil de sécurité des Nations Unies voté en résolution et une force internationale qui est en route. Préparatif a commencé, fait. Force là a venu. Force là pour aider la police nationale, mettre l'ordre, mettre sécurité dans le pays. Le ça, condition pour réunir pour l'élection faite. Et je vous dis, il y a un acteur politique qui est raisonnable. Eh bien, c'est pour ou entendons avec le Premier ministre Ariel Henry, pour nous créer conditions pour l'élection faite le plus vite possible. C'est ça que fait nous-mêmes dans la négociation politique. Nous dit un fonds gouvernement d'unité nationale, un non renforcer HCTA, un augmenter attribution, un fonds conseil électoral sans force côté, un non aller dans l'élection le plus vite possible pour le peuple à choisir. Moun qui pensait 7 février 2024 pour avoir un problème, il y a des gens qui ont fait une autre proposition, un conseil et exécutif qui a 5 membres, gouvernement bicéphale, pas de ça, pas raisonnable. Ce qui est raisonnable aujourd'hui, c'est pour nous faire une entente politique pour nous aller dans l'élection le plus vite possible. Et heureusement, force internationale a pris le venir, la police pour être capable de mettre l'ordre. On a tourné la caillou, on a circulé dans le pays. C'est ça le plus important. Mais en sérieux, Ariel Henry n'a pas de faire une élection, ni en 2022, ni en année 2023, pour bailler gang au pouvoir. Le gouvernement n'a pas de gang. C'est selon le gouvernement gang qui n'a pas accepté de faire une élection en 2023, et puis pour bailler gang au pouvoir. Ce n'est pas normal. Alors nous-mêmes, nous optimistes, force internationale en route, préparatif à fête. La force viendra avant longtemps et on va aider la police nationale, mettre l'ordre dans le pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour mon faire politique, retirer puis on mettre PAM, mon qui besoin font un petit coup, on prend en nous, joignons entente pour aller à l'élection. C'est la position du secteur démocratique et populaire.